Bonjour à tous, hello. J'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo pour la société StringPad. Ok, StringPad, c'est un casque qui va sortir bientôt en Kickstarter, c'est-à-dire qu'il va falloir très exactement financer le projet pour qu'il aboutisse, pour qu'il voie le jour. C'est une société avec qui on va faire une vidéo ensemble. C'est une vidéo sponsorisée et je vais très exactement tester le produit. C'est un prototype, voilà, je vais tester un prototype StringPad. Ça fait des années qu'ils sont en train de travailler ce projet. Voilà, donc c'est un casque qui va intensifier le gameplay, il va y avoir plus de vibrations. On est donc en Anvers, invité par StringPad, merci à eux. On va voir ce que ça donne. Et ça, c'est le speaker. Ok. Et ça, c'est les deux transducers. Ok. Ça, ça pointe sur le crâne. Mm-hmm. Comme ça, il n'y a pas de tension sur le. Même sans son, tu le sens que ça appuie sur un truc spécial, tu sais. Ouais. Mais ça s'ajuste vraiment à tous les cerveaux, ça, du coup? À mon avis, ouais, avec la petite bandette là, ça va s'ajuster. Voilà. Donc, c'est ajustable ici, en hauteur, et après, ici, derrière aussi. Ça s'appelle le mastoid ball, en anglais. D'accord. Donc, c'est vraiment cette place-là, derrière l'oreille. Mm-hmm. Il y a beaucoup, beaucoup de nerfs qui, en fait, se mettent à côté, où le son passe très bien dans l'oreille intérieure. En direct. Okay. C'est, que c'est le design prototype. C'est, ouais, ça, c'est okay. le design c'est bon, prototype. Quoi. D'accord. C'est bon. Et vous pensez par la suite qu'il y aura peut-être un micro ou quelque chose oui, de c'est prévu. Oui, oui, le c'est micro prévu. Est là. Finalement, le micro, c'est un micro séparé qui va être okay. D'accord. Là. Ok. Je prends place. Test one. Ça, c'est vraiment pour vous familiariser avec okay, le ça marche. Concept. Ah ouais, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Là, quand ça tire en rafale, t'as l'impression vraiment que... Ah bah voilà. Ah ouais, quand même. Regarde. Je m'attendais pas à ça, vraiment. Ouais, attends, maintenant je prends un train. Quand on m'explique, quand vous m'avez expliqué, j'ai perçu la chose, mais quand on le dit, c'est pas pareil. Hein. Voilà. Maintenant, un train. Ah, c'est fou. C'est bizarre. Hein, ouais, c'est fou, ça te fait, ouais, ça te fait des impacts, des vibrations dans ton crâne à l'arrière. Quoi. C'est une zone que j'ai jamais exploitée en fait. C'est ça. Et ça te fait quoi? Tu sens, viens tu sens quelque chose de différent ou... Viens essayer, ça vaut le détour. Ah ouais. Ça fait bizarre, ouais. Faut vraiment tester sur un jeu de guerre aussi, ouais. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est vrai que c'est une sensation vraiment différente. Faites voir si vous le coupez complètement d'un coup. Non, après, oui. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. C'est un truc de fou. T'as l'impression qu'il manque quelque chose là, que c'est nu. C'est à poil. En plus, ça se passe bien dans le jeu, j'ai une super belle voiture, tout va bien. Regarde-moi ça quoi. J'ai jamais vu une caisse comme ça, t'inquiète pas. Oh, c'est fini, je suis mort. Je comprends pas qu'elle roule encore en fait. Ouais, ça fait vraiment des sensations. Un jeu comme ça, avec l'Oculus et le casque, ça doit être... Ouais. Franchement, ça doit être ouf. Une première pour Nanar BE va tester Counter-Strike avec une manette. Du jamais vu. Ok, bah vous pouvez y aller. Ouais. Allez-y. Ah ouais, tu sens vraiment les vibrations, dès que tu tires, tu sens une rafale en fait. Ouais. Dans ta tête. Ouais, ça fait vraiment immersif en fait. Tu te sens... je sais quoi, tu te sens... Toi qui es adepte de CS, ça te fait bizarre ou... De quoi? Ça te fait quoi la sensation vu que toi tu joues tout le temps ça? Quand tu tires, t'es... Je sais pas, attends, je vais essayer plusieurs trucs. T'as l'impression que c'est pas le même jeu ou quoi? Là avec la molotov, on dirait que ça te tremble dans la tête et tout, tu sais. Ça te tremble dans la tête. Ouais, je sais pas. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Dans un jeu immersif, ça doit être... Ça doit être au-dessus, quoi. C'est vraiment bien. Le coup d'un wap, il te vibre dans le crâne, c'est incroyable. Oh, c'est fou, là. Attends, du test avec ça. Ah là, il est bon. Là, c'est vraiment fou, par contre. Test avec musique. Là, ça bouge de partout, là. Ouais, ouais. Là, c'est... c'est un truc de fou, là. Vu que c'est... Ouais, pour la musique, c'est top, hein.
Pour la musique, c'est vraiment top. Comment je... Ouais, pour la musique, par contre, c'est vraiment violent. Donc voilà, ce qu'on a pu tester, c'était un prototype purement dit. Et ensuite, le produit ressemblera grossièrement à ça, on est d'accord ? Le produit fini, ce sera plus ça, donc c'est carrément plus esthétique, on est d'accord ? Ça sera ça, mais avec des matières plus souples, je pense. On t'écoute ? Ça sera exactement ce prototype-là, je crois, mais ici, ça sera une matière plus fine, ici, là, sur le côté. C'est du silicone. Ça sera du silicone, là. Et aussi, là, plus doux. Donc, right. Moi j'aime bien le design, hein. Franchement. C'est vrai que ça passe bien, ouais. Même la qualité audio, mine de rien, de comment ça s'appelle des speakers. Ouais, des speakers, c'est pas mal. Ok, je suis de retour dans le sud de la France. Un grand merci à la société StringPad qui m'a permis de réaliser cette vidéo, qui m'a donc invité en Belgique. C'est un produit qui est sur Kickstarter, le lien est dans la description. Je suis content d'avoir pu tester un produit comme ceci, innovant, et qui exploite en fait le son 4D, j'ai envie de dire, à l'arrière du cerveau, dans une zone sensitive inexploitée. Que vous dire de plus ? Je pense que tout est dans la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à subscribe à la chaîne Anarbiceps dans la description. Ainsi qu'à la mienne. Ouah, c'est la première fois de toute ma vie que je dis ça. Portez-vous bien. À bientôt. Salut.